vaincu. On s'est amené. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. On s'est amené. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. Je vous ai dit pourquoi ces régimes connaissaient des difficultés. Eh bien, il faut remettre tout ça à plat. Et j'ai chargé une commission composée de personnalités très respectées, très éminentes, de toute sensibilité, de faire un livre blanc, un peu comme M. Rocard l'avait fait pour le régime général il y a quelques années. Mais sur la base de ce livre blanc, le moment venu, nous prendrons les décisions en concertation avec tous ceux que cela concerne. La première atteinte au système de retraite hérité de 1945, en 1993, atteinte qui ne concerne alors que le secteur privé, qui est en fait conçu par le gouvernement comme un banc d'essai pour les mesures ultérieures, ne va se heurter en 1993 à aucune mobilisation. Cette réforme de 1993, c'est la première réforme importante qui ouvre un processus de réforme des retraites qui court jusqu'aux années 2010. On peut donc s'interroger sur la faible réaction syndicale. Il y a certaines interprétations qui disent que certains syndicats auraient trouvé leur compte à la réforme de 1993. Et notamment la CFDT qui défendait en fait depuis les années 80 une séparation entre les dépenses d'assistance et les dépenses d'assurance. Et donc en fait, le régime général, la caisse de retraite des salariés du secteur privé, dans les années 80, en fait, et même auparavant, depuis les années 50, prenait partiellement en charge le minimum vieillesse. Et au début des années 90, le minimum vieillesse, qui est une prestation non contributive, c'est-à-dire que c'est une prestation qui est soumise à condition de ressources, mais pas à condition de versement de cotisation, ce minimum vieillesse, il était financé par le régime général à hauteur de 20% de son budget. La CFDT, notamment, elle défendait la sortie du budget de la CNAV des dépenses du minimum, en disant que ça devrait être des dépenses de solidarité financées par l'État. Donc il y a une sorte de séparation en fonction de principe, la séparation assistance, assurance, contributif, non contributif, mais il y a aussi un argument financier qui est défendu, notamment au sein de la CFDT, à savoir que le financement du minimum par l'État permettrait de solidifier le budget du régime général et donc de réduire le risque de déficit et les critiques de mauvaise gestion qui sont adressées aux syndicats dans leur gestion de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a eu un accord ? Il n'y a pas eu d'accord. Mais bien évidemment, nous étions, moi qui étais, je me suis pas laissé me leurrer. C'est parce qu'on avait revendiqué et obtenu la création du fonds de solidarité. C'était fondamental pour les salariés et la pérennité des retraites des salariés du privé. Pour l'AGIRC et l'ARCO, l'UNEDIC payait les cotisations à l'ARCO et à l'AGIRC. Ou rembourser les années à l'AGIRC, pas pour le régime général. Et le fonds de solidarité qui a été mis en place a pour la première fois remboursé à la CNAV, sur l'ensemble des revenus, a remboursé à la CNAV les années de chômage que la CNAV s'auto, que les salariés du privé s'auto-payaient eux-mêmes. Cette offensive gouvernementale, engagé dans une situation qui paraît donc propice, dans un premier temps suivi d'effets positifs au regard des stratégies gouvernementales, est ébranlé en 1995. Alors, ce qui a été au démarrage de la contre-offensive du mouvement social en 1995, c'est la conjonction, ou plus précisément la simultanéité, du plan Juppé sur les retraites, qui visait donc à étendre au secteur public les mesures déjà mises en œuvre dans le secteur privé, et le contrat de plan Bergougnou, qui visait tout à la fois à une réforme de la SNCF et qui s'attaquait au statut des cheminots et plus précisément aux régimes spéciaux concernant les travailleurs de ce secteur. La SNCF, handicapée par une dette de 175 milliards de francs, ne cache pas sa volonté de fermer les lignes trop déficitaires. Ma conviction est que dans certains cas limites, on peut faire beaucoup mieux autrement et à moindre coût
que d'entretenir des services ferroviaires qui n'ont plus de véritable justification. En 1995, cela fait 2 ans que je suis secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, donc le premier responsable en quelque sorte de la première organisation syndicale de la profession, puisque notre représentation avoisinait les 45-47% à l'époque, c'est-à-dire le poids prépondérant de la CGT dans la profession. 1995, c'est une année d'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu au mois de mai 1995, il faut le rappeler. Et quand on fait le parallèle avec d'autres années présidentielles, il est peu courant en général que quelques mois après une élection présidentielle, il y a un grand mouvement social. On a coutume de dire qu'il y a une période d'observation, en quelque sorte, une fois qu'un nouveau président, qu'un nouveau gouvernement est installé. En 1995, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le mouvement de 1995 est la conjonction de plusieurs événements et de plusieurs éléments. Le premier concerne l'avenir de la SNCF, qui était un enjeu déjà depuis de nombreuses années. La SNCF, en tant qu'entreprise publique, est liée à l'État sous la forme de contrat de plan, un plan qui dure 5 ans, qui régit les relations à la fois financières et stratégiques entre un État qui paye pour un service public et une entreprise qui se doit de mettre en œuvre ce service public. Et depuis 10 ans, en 1995, déjà, la polémique repose sur les moyens utilisés pour le transport ferroviaire, autrement dit la dénonciation de ce qu'on a appelé le tout TGV. À savoir que pendant des années, l'État a demandé à la SNCF d'investir énormément dans le TGV, elle s'est d'ailleurs endettée à ce titre, au titre de l'État, mais ce au détriment des petites lignes de la province, et nous avons assisté pendant une dizaine d'années à la fermeture de gares, à la fermeture de lignes, aussi bien à l'exploitation voyageurs, qu'au transport de marchandises. Et c'est à la fin 95 que vient l'échéance d'un nouveau contrat de plan. Et là, nous savons que se prépare une troisième étape tout aussi négative que les deux précédentes. Ce qui fait que durant déjà tout le début de l'année 95, à l'occasion des élections politiques notamment, les cheminots, avec tous leurs syndicats, et la CGT a été porteuse, fer de lance, je dirais, d'une démarche unitaire dans ce domaine, porteuse de campagne auprès des élus locaux, auprès de la population, alertant sur le devenir de la SNCF à la fin de l'année 95. Et donc nous sommes déjà mobilisés, nous avons fait des manifestations régionales, puis nationales à Paris, au mois de mai, juste avant les élections présidentielles d'ailleurs. Nous sommes reçus au ministère des Transports par le chef de service qui était de permanence, et absolument pas par un secrétaire d'État, et encore moins par le ministre des Transports de l'époque, alors qu'il y a 60 000 cheminots dans les rues de Paris au mois de mai. La rentrée approche, et on nous laisse toujours sans information de ce qui est en train de se dessiner entre les pouvoirs publics et la direction de l'entreprise. Les cheminots, les usagers, sont mis de côté, sont laissés dans l'ignorance la plus totale. Puis on nous annonce qu'un nouveau contrat de plan, dont nous n'avons pas discuté, va être signé dès les premiers jours de décembre. Et là vient déjà l'idée, tous syndicats réunis, puisque nous avons multiplié les initiatives en commun, qu'il faut taper un grand coup pour dénoncer cette espèce de hold-up sur le devenir de la SNCF, qui appartient à la nation, mais dont on veut définir l'avenir dans une forme de catimini. Sur cette entrefaite se dessine, du côté gouvernemental, le plan dit d'économie de la sécurité sociale, la réforme dite Juppé, qui vise à un plan d'économie, une réforme drastique des droits à la protection sociale des Français. Et il se trouve que le jour même où nous sommes réunis au niveau de nos instances CGT pour réfléchir à la forme d'action à opposer à ce contrat de plan qui s'annonce très néfaste, le jour même, c'est le jour où Alain Juppé monte à la tribune de l'Assemblée nationale, annonce le plan sur la sécurité sociale, qui comporte entre autres une remise en cause des régimes spéciaux de retraite pour l'ensemble des professions qui bénéficient de ces régimes spéciaux, dont les cheminots. Autrement dit, nous avons une forme d'alignement, de remise en cause des droits à la retraite, plus un avenir de la SNCF qui se dessine sous les plus mauvais augures. Nous souhaitons un véritable débat public dans ce pays à propos de l'avenir de ce service public, l'avenir du transport ferroviaire en France au moment où 65% des marchandises sont transportées par route. C'est une des questions qu'on devrait aborder publiquement. On ne l'aborde pas et on décide ces restrictions.
1995 marque une rupture dans les mouvements sociaux, dans la mesure où ce sont les salariés, et dont les moindres, qui vont se mettre en mouvement et qui vont permettre au mouvement de l'emporter. Face à ce mouvement, et dès la première heure, la deuxième gauche, et notamment la CFDT, mais également tout un ensemble d'acteurs rassemblés autour de la revue Esprit, se sont immédiatement attaqués à ce mouvement en le dénonçant comme un mouvement corporatiste et en ayant dans leur ligne de mire les régimes spéciaux qui étaient donnés comme un privilège corporatiste, qu'il s'agissait par là de faire disparaître au nom d'une universalité revendiquée. Après l'annonce du plan Juppé sur la sécurité sociale, les syndicats CGT et Force ouvrière promettent des ripostes musclées, alors qu'à la CFDT, Nicole Nota semble touchée par une relative contestation interne. Le 24 novembre s'annonce en tout cas comme un nouveau vendredi noir. Tous les syndicats ont en effet décidé d'appeler à la grève générale à la SNCF, mais aussi à la RATP, pour protester contre le projet gouvernemental en matière de retraite dans le secteur public. C'est possible de faire une histoire du recentrage de la CFDT ou une histoire de la CFDT à partir du sujet des retraites. Au début des années 80, il existait des débats, des discussions au sein du syndicat sur la place à accorder à l'épargne retraite, au fonds de pension. Et on retrouve des discussions très vives dans la première moitié des années 90 au sein de la CFDT sur la position à adopter vis-à-vis des projets de réforme du gouvernement. Et c'est notamment le cas lors du plan Juppé de 1995. Donc ce volet du plan Juppé qui concerne les retraites, il propose d'augmenter la durée de cotisation des salariés de la fonction publique. La direction de la CFDT accepte ce plan, notamment pour les retraites, et il y a eu de très fortes oppositions en interne. Et donc là, les archives de la CFDT permettent d'indiquer des critiques et des protestations très importantes, qui viennent notamment de certaines fédérations ou d'unions locales, à l'encontre de la direction du syndicat. Et donc d'une certaine manière, au début des années 80, comme au milieu des années 90, l'évolution doctrinale ou les positions de la CFDT vis-à-vis du sujet des retraites et des projets de réforme du gouvernement permettent d'indiquer les débats internes et les résistances, un recentrage, un déplacement doctrinal. Quand le président Bergougnou convoque les organisations syndicales, on pouvait penser peut-être qu'il avait d'autres propositions à faire sur le contrat de plan, et il n'en est rien. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune raison, et les cheminots d'ailleurs le montrent massivement encore aujourd'hui, pour arrêter le mouvement. Les cheminots de Tours, Saint-Pierre-des-Corps, CGT, CFDT, FO, CFTC, FMC, constatent l'élargissement du mouvement sur les mêmes... Donc à partir de là, en concertation toujours avec les autres organisations, nous décidons d'avoir un mouvement de grande ampleur à partir de la fin du mois de novembre. Et c'est ainsi que nous décidons à la fois de nous inscrire dans une journée de mobilisation qui était programmée par les agents de la fonction publique, qui avaient leurs propres motifs de manifestation, de revendication, et d'en appeler, sous forme d'assemblée générale, aux cheminots, pour poser la question de la reconduction de la grève. Autrement dit, d'avoir un premier jour de grève, jour pendant lequel nous allons discuter ensemble s'il ne convient pas de poursuivre la grève du fait de l'ampleur des attaques dont nous sommes l'objet, à la fois sur l'avenir de l'entreprise publique et à la fois sur notre régime de retraite et de protection sociale. Et c'est ainsi que la grève débute dans les derniers jours de novembre et est reconduite de jour en jour pendant un peu plus de 3 semaines. Poignée de main très attendue entre les frères ennemis du syndicalisme. Les deux organisations n'ont jamais défilé ensemble depuis 1947, date de leur scission. Force ouvrière avait décidé de défiler aujourd'hui, seule, mais au dernier moment, la CGT s'est ralliée. Ils ne sont pas venus prêter main forte. Si on n'avait pas un objectif qui était similaire, ils ne seraient pas là, c'est tout. Nous sommes ensemble aujourd'hui, dans la rue, dans les arrêts de travail, pour défendre la sécurité sociale, c'est ce qui me paraît le plus important. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Pour deux raisons principales, contre le plan Juppé concernant la protection sociale et surtout contre le contrat de plan. Même si Force ouvrière a vraiment fait le plein de ses troupes aujourd'hui à Paris, elle n'a pas mobilisé seule. Les renforts des enseignants de la FSU, mais surtout de la CGT, ne passaient pas inaperçus.
Par exemple, si on prend le cas de la RATP, il n'appelle pas une grève reconductible au départ. C'est parce que la grève est massive, qu'elle est forte, que les syndicats appellent en fin du 24 novembre, ce qui est le point de départ des grèves de 95, à la fin de la journée, ils se réunissent dans les dépôts et ils votent la prolongation de la grève. Mais elle n'était pas, au départ, programmée pour être reconductible. Mais le mécontentement est tel qu'en effet, comme ils sentent que c'est possible, ils impulsent. Ni train, ni métro, la semaine s'annonce encore difficile pour les usagers des transports publics. Le trafic ferroviaire devrait être paralysé sur l'ensemble de la France. D'autre part, FO appelle à la grève pour l'ensemble des transports urbains des villes de province. Baisse de tension prévue également dès demain chez EDF. Quelques coupures de courant sont envisageables mais rares. Difficulté aussi pour le courrier. Actuellement, un centre de tri sur deux est perturbé et les syndicats appellent à une extension du mouvement également à France Télécom contre le problème des retraites et contre la privatisation. Mais mardi, l'action se fera surtout dans la rue. Une grande journée de manifestation. Les étudiants devraient les rejoindre sur le pavé parisien à l'appel de leur coordination. Nouvelle journée de manifestation très suivie, particulièrement en province, au total entre 700 000 et 1 300 000 manifestants selon les décomptes. La CGT, Force ouvrière et la FSU annoncent un nouveau temps fort pour mardi prochain. À La Poste et à France Télécom, la forme qu'a pris le mouvement social en 95, ça a été quelque part ce qu'on a appelé des grèves saute-mouton, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à construire un mouvement de grève générale reconductible au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire des gens qui partent en grève et qui reconduisent la grève de chaque jour, quoi. Et en fait, on a eu, comme dans pas mal d'autres secteurs d'ailleurs, à côté des cheminots qui, eux, ont été vraiment en grève reconductible, enfin en grève générale reconductible, eh bien, on a eu effectivement des salariés qui se sentaient complètement impliqués dans le mouvement, dans la grève, mais qui faisaient grève une journée, le lendemain se mettaient en journée de congé ou en récupération sous différentes formes, le jour suivant se remettaient en grève, etc. Et en particulier, se remettaient en grève les jours de manif. C'est-à-dire que c'est vraiment les rendez-vous de manifestation qui ont rythmé le mouvement social de 95 en dehors de la SNCF. Alors, on s'est évidemment beaucoup interrogé là-dessus, sur pourquoi on n'a pas réussi. Alors, il y a plein de raisons sur la difficulté de construire une grève reconductible. C'est apparu en 95 et puis depuis, on n'arrête pas de s'interroger dessus. Mais je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a des questions de fin de mois difficiles pour une partie quand même non négligeable des salariés. Bon, et donc, de ne pas se retrouver avec des pertes de salaire trop importantes. Je pense que ce qui a joué aussi à La Poste et à France Télécom, c'est qu'on avait vécu en 91-92 le changement de statut des PTT, ce qu'était l'administration des PTT avec la réforme qui laisse, et donc on avait perdu. On a eu des mobilisations importantes avec des journées de grève très importantes et assez unitaires, notamment avec la CGT, mais on a perdu. Donc il y avait une défaite qui était quand même assez récente. Et puis, je pense que malgré tout, entre 68 et 95, en termes de mémoire collective, en termes de grève générale, il n'y avait pas grand-chose. En 1974, il y a eu effectivement une grève assez importante à La Poste. Mais je pense que dans la mémoire collective, la référence à la grève, c'est 68. Et 68, en 95, c'est déjà ancien, quoi. Donc voilà, on est dans une difficulté où majoritairement, je pense, il y avait un soutien à cette mobilisation. Et il y avait une participation importante, je pense dans certains secteurs majoritaires, mais pas forcément sous forme de grève générale. Et ça a été vraiment pour moi 95, c'est l'apparition de ce qu'on va voir dans des conflits, d'autres conflits plus tard, sur les retraites notamment en 2003 ou en 2010, c'est l'importance des journées de manifestation, c'est-à-dire d'occupation de l'espace public par les manifestations. C'est ça qui va prendre le dessus. Et 95, pour moi, est un peu l'ouverture de cette période-là, quoi. Je suis gréviste parce qu'en plus, il y a une menace sur le service public qui se précise un petit peu plus tous les jours. On le voit avec la SNCF, on le voit avec La Poste, on l'a vu déjà depuis longtemps, et on le voit aussi avec l'enseignement. Pour le service public, nationaliser, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Pour les postes, les cheminots, cette période du service public a des caractéristiques très fortes parce que ça crée un univers
professionnel qui n'est pas homogène, puisqu'il y a des grandes différences de profession entre les ouvriers gaziers et les techniciens des centrales nucléaires. Il y a des grandes différences de métier, de qualification, de quotidien du travail. Mais il y avait cette unité du statut, de l'appartenance à une même entreprise et de rapport très fort à la notion de service public, de mission de service public et de secteur public. Donc évidemment, tout ça a été remis en cause et transformé par les évolutions ultérieures. Donc, on peut dire que, d'une certaine façon, les agents d'EDF, GDF, ils se sont toujours, au moins en partie, mobilisés autour de cette question de service public et de statut, et de spécificité. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens de revendication des deux droits autour de cette question de statut et de défense d'une mission spécifique, qui est celle du service public de l'énergie. Et ça rejoue avec les caractéristiques de leurs origines aussi, puisque des militants qui, pour une grande majorité, ou en tout cas pour une grande proportion, étaient eux-mêmes dans cette culture par leurs parents, par leur entourage, qui se sont orientés vers ce monde du service public parce qu'ils étaient, ils en étaient déjà imprégnés, alors qu'au départ, c'était, enfin, à l'époque des années 60-70, c'était pas forcément avantageux d'un point de vue salarial d'entrer à EDF, GDF. Ça avait d'autres garanties de stabilité professionnelle, d'avantages liés au statut, mais c'était un choix. Et dans ce choix, la dimension service public, elle n'était pas neutre, et ça explique aussi les mobilisations fortes qu'il y a eu tout au long de la période, y compris dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui a un sens, y compris à l'échelle individuelle, je crois. On a radicalement changé de période avec la directive européenne sur le marché de l'énergie, le démantèlement progressif, enfin en tout cas la séparation EDF-GDF et puis progressivement la privatisation avec la fusion GDF-Suez et puis l'ouverture du capital d'EDF. Pour faire oublier que le trafic était bloqué aujourd'hui à Rennes, les cheminots grévistes ont mené une opération de charme. Expliquer au grand public leur motivation et faire signer une pétition. Certains usagers sont convaincus. Les gens sont en train de dire oui, ils se moquent de nous, ils profitent de nous, ils font du chantage. Non, c'est normal, ils n'ont que ce moyen-là pour manifester. L'opinion n'a absolument pas adhéré à cette attaque en 1995. Elle a tout au contraire massivement perçu le mouvement qui s'engageait et dont les cheminots étaient indéniablement le fer de lance, comme un mouvement en faveur de l'intérêt général en matière de défense des retraites et des services publics, les deux questions étant étroitement mêlées. Je crois que c'est ce soulèvement, cette approche par l'opinion publique qui a sans doute contribué au lien entre les deux mouvements initiaux, cheminots d'un côté et fonction publique plus généralement, sur la question des retraites. Une très belle formule qui est énoncée par un jeune cheminot de la gare d'Austerlitz qui est interrogé dans le cadre du film de Sabrina Malek, dans la série des films de 95 sur les cheminots. Et ce jeune cheminot dit « Il fallait bien que nous étions le donjon ». Je crois que réellement, l'opinion publique a perçu ce mouvement comme étant le donjon. Notre action qui a commencé, notre mobilisation avec les cheminots depuis le 22 mars, c'est pas fini. Hein. Autant on veut nous faire croire que la loi est votée, mais pour 80% elle n'est pas écrite. Donc on est encore là pour dénoncer aussi l'abandon du transport de marchandises par le rail, SNCF Fret. Quand on voit aujourd'hui la saturation des autoroutes, des déroutes par les camions, et qu'on se dit que tous ces camions-là, plutôt que d'être sur la route, ils seraient mieux sur le rail. Et à l'heure du changement climatique et de ce qu'on pourrait faire pour l'environnement et pour nos enfants, je pense qu'on a tous une responsabilité par rapport à ça. En même temps, vous êtes sympa, vous leur offrez le péage aux camions. Alors aux camions, pas spécialement, c'est plutôt à destination des automobilistes. Après, c'est vrai qu'on a aussi des soutiens parmi aussi les chauffeurs de camions qui ont aussi des conditions de travail déplorables. Et quand on sait qu'aujourd'hui, un camion sur deux en France roule pour la SNCF, donc quelque part, on ne dit pas qu'on est des collègues, mais on pense qu'ils travaillent aussi pour le groupe SNCF. Le citoyen, l'usager,
ne peut voir que d'un bon œil aujourd'hui, alors qu'on se préoccupe de plus en plus des questions environnementales, de mesures qui seraient destinées à développer le transport de marchandises par le rail, qui est plus économe, plus sûr, etc. Tous les rapports de ce point de vue-là convergent pour montrer que le train, pour la collectivité, est beaucoup plus intéressante que l'explosion du trafic routier. Le problème, c'est qu'après usage de ces plusieurs années de mise en concurrence, le nombre de marchandises transportées par le train continue de régresser, et pour cause. Ça n'est pas le principe de mise en concurrence des opérateurs qui peut permettre un développement du transport ferroviaire si on continue de raisonner en coûts directs. Autrement dit, si on continue de considérer ce que coûte le transport d'une tonne de marchandises par camion et ce que coûte une tonne de transport marchandises par le fer. Ça coûte plus cher par le fer sur les coûts directs, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est les coûts indirects. Ce ne sont pas les camions qui construisent les autoroutes. Ce ne sont pas les camions qui assument les conséquences de la pollution atmosphérique. C'est l'ensemble de la collectivité des citoyens. Ce ne sont pas les camions qui supportent les coûts de l'insécurité routière. C'est l'ensemble de la collectivité, alors que c'est un facteur aggravant dans les accidents routiers. Chacun le sait. Donc il faut une politique plus volontariste et une politique au vrai sens du terme. La préservation de l'environnement appelle l'utilisation des modes de transport les plus économes en énergie, les moins émetteurs de gaz à effet de serre, et le train arrivera, pas systématiquement bien sûr, mais en de nombreuses occasions, comme étant le mode le plus avantageux. À ce titre-là, la puissance publique se doit d'investir dans le développement du transport de marchandises par le train. Nous avons fait plutôt l'inverse. On a demandé à la SNCF de faire des efforts, on a continué à contracter le réseau. Les régions à qui on a transféré des responsabilités dans l'organisation du transport régional se sont vues confier des responsabilités, mais sans les moyens correspondants. Donc à leur tour, elles ont été contraintes à des défis quant à maintenir des activités ou augmenter des tarifs. Mais en règle générale, d'ailleurs, les élus locaux ont plutôt favorisé un encouragement au transport ferroviaire que de le condamner. Certains élus, par dogme politique, je dirais, veulent transposer la mise en concurrence sur le fret pour obtenir une mise en concurrence pour les voyageurs, en considérant que là aussi, s'il y a différentes compagnies qui font rouler des trains, ce sera profitable au transport de voyageurs. C'est pas l'étiquette de la locomotive qui va compter, que les moyens à disposition pour transporter ou pas des voyageurs, ou l'ouverture des gares pour permettre l'achat de billets et le renseignement au titre d'un service public. Donc c'est vrai que les choses se sont considérablement dégradées, et je souhaiterais que dans cette période, encore une fois, où on s'interroge de tous les côtés, à juste titre, de toutes les mesures ou des politiques à mettre en œuvre pour préserver l'environnement, assurer un cadre de vie beaucoup plus pérenne et vivable, quelque part, pour les générations futures, on se réinterroge fondamentalement sur les politiques à mettre en œuvre permettant de développer le transport ferroviaire, qui, sans être la solution miracle, peut être une des solutions à mettre en œuvre pour avoir justement des mesures durables permettant de préserver l'environnement. Du jamais vu depuis mai 68. Dans plusieurs villes de province, les manifs ont atteint des records, malgré la météo la plus dissuasive. Plus de 60 000 personnes à Marseille, autant à Toulouse, 40 000 à Bordeaux. Les organisateurs eux-mêmes s'étonnent de leur succès dans des villes comme Lyon, peu habituées aux mouvements sociaux. Même le Vieux-Nice s'est mis au pas de course, 25 000 personnes dans la rue pour exprimer un ras-le-bol général. Je suis de cœur avec eux. Pour les enfants aussi, parce que c'est des futurs citoyens et on ne sait pas trop comment sera leur vie. Et c'est vraiment pour une société autre que cette société de merde. Le gouvernement aujourd'hui, il ne se sent pas bien. C'est un gouvernement qui négocie pas avec les organisations syndicales, c'est qu'il n'est pas bien dans sa tête. Les Lyonnais n'avaient jamais été aussi nombreux depuis le début du mouvement. 18 000 selon la police, 40 000 selon la CGT. De nombreux lycéens s'étaient joints au défilé. À Lille, 30 000 manifestants ont réclamé le retrait du plan Juppé. La mobilisation est sans précédent depuis 1968. Ce projet relève d'une même logique, une logique qui finalement est à l'œuvre, est devenue dominante et est devenue, si j'ose dire, transpartisane depuis dans les gouvernements successifs. Depuis le tournant qui a été amorcé en 1982 par François Mitterrand,
quand celui-ci avance, énonce et met en œuvre l'idée que les impôts comme les cotisations sociales sont des charges excessives pour l'économie et non plus, comme elles étaient traitées, pensées, ou plus précisément pensées et traitées depuis 1945, comme des ressources nécessaires à la redistribution. On met en avant la question du coût du travail et de cette entrave à la libre compétition et à la libre concurrence qu'est devenu le coût du travail en France, eu égard à la lourdeur des charges sociales, par quoi il faut entendre les charges patronales essentiellement. Alors parlons de la sécurité sociale. On a déjà pris, il y a 2 ans, sous mon gouvernement, un certain nombre de mesures. On peut dire que pour la famille et pour la vieillesse, les choses sont bien en main. On voit où on va. Reste la maladie. Il faut préférer les économies, même si c'est désagréable, à des impôts, à des cotisations nouvelles, parce que sans quoi, on va casser la croissance et on risquerait de détruire la confiance. Et à partir de là, si la croissance était ralentie, on n'arrivera ni à diminuer le chômage, ni à diminuer les déficits. Voilà le problème. Depuis le nouveau gouvernement de M. Juppé, on dit le gouvernement fait du baladur sans baladur. Ça vous énerve? Ça vous fait plaisir? Oh, vous dites pourquoi c'est pas moi qui suis à cette place? Non, pas du tout, pas du tout. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, qui engage la confiance de son gouvernement dans cette affaire, a déclaré cet après-midi en ouverture des travaux parlementaires qu'il ne s'agissait pas d'un débat comptable, mais d'un véritable débat de société dans notre pays. À partir du début des années 90, le budget de l'État ne vient plus financer les déficits des régimes des retraites. Alors qu'auparavant, dans les années 50, 60, les années 70 aussi, une partie des années 80, les déficits pouvaient être financés par des prêts ou des avances de l'État. Le plan de réforme et de réduction du déficit de la sécurité sociale peut se diviser en 2 grands chapitres. D'abord, la réduction du déficit par une cotisation spéciale de 0,5% sur tous les revenus. Et d'autre part, maîtrise des dépenses de santé, cela veut dire pour le Premier ministre, surveillance des caisses de la sécurité sociale par l'Assemblée d'abord, qui fixera les grandes orientations financières. Régionalisation du contrôle du fonctionnement des hôpitaux cliniques. Il faut aussi dire que l'idée à terme du gouvernement est de réduire le nombre des caisses d'assurance maladie. Alors, Monsieur Blondel, les cotisations en retraite prolongées à 40 ans d'annuité pour les fonctionnaires, comme dans le privé d'ailleurs, contre 37 ans et demi jusqu'à présent. Si en ce moment, où en principe on devrait avoir comme souci premier l'emploi, eh bien c'est en faisant travailler les gens le plus longtemps possible qu'on dégagera les emplois. Corrélativement, on va faire 40 milliards pour la CE, on va faire aussi des incitations diverses pour le patronat. Je comprends d'ailleurs que celui-ci soit satisfait. Et nous allons mettre 40 ans pour avoir une retraite à peu près pleine. Ce qui veut dire que les jeunes qui rentreront dans le marché du travail maintenant à 25 ans, il n'y en a pas beaucoup qui auront une retraite qui sera totale. Ça a été, je crois, avec le recul, un choix stratégique déterminant de notre part de considérer que, bien que nous étions la première organisation syndicale de la profession, et de loin, si je schématise un petit peu, il y a la CGT qui a 50% des voix, ou quasiment 50% des voix dans la profession, et 7 autres organisations qui se partagent les autres 50%. Donc, il n'y a pas photo, je dirais, quant au leadership syndical dans la profession. Et pour autant, nous avions considéré, des années auparavant, que s'agissant du devenir de l'entreprise, de la défense du statut des personnels, il n'y avait pas d'autre choix que d'essayer de réunir toutes les forces possibles, donc de travailler à l'unité syndicale sur les initiatives, sur les messages, sur le contenu des analyses, des politiques mises en œuvre, autrement dit, d'avoir une concertation intersyndicale permanente, quitte à ce que, de temps en temps, nous fassions le constat que nous n'étions pas forcément d'accord ou qu'il y avait des points qui représentaient des différences entre nous, mais pour autant, ne pas oublier l'objectif principal qui, lui, pouvait nous réunir, la SNCF, une entreprise publique, nationale, au service de la nation, qui se devait d'avoir les moyens de développer ses activités. Et je dirais qu'avec le recul, aujourd'hui, les débats concernant les enjeux environnementaux, eh ben, on s'aperçoit que ça n'était pas des débats si dépassés que ça. Au contraire, nous avions peut-être anticipé sur l'intérêt de développer le transport ferroviaire au regard des choix entre différents modes de transport. Donc pendant des années, nous avons travaillé en intersyndical avec toutes les organisations
Il y a eu des moments avec plus d'accords que de désaccords. Il y a eu des moments où les stratégistes sont un petit peu éloignés. Mais jamais les ponts n'ont été rompus. Et lorsque se sont approchées les échéances cruciales, ça a été déterminant dans la mesure où il y avait une confiance entre nous. Nous savions pouvoir nous dire, lorsque nous étions d'accord ou éventuellement en désaccord, une franchise de relations, une franchise dans les relations humaines aussi. On sait que les relations entre organisations, ça passe aussi par les relations humaines, à savoir la nature et la qualité des contacts entre les hommes ou les femmes qui sont à la direction des organisations. Le syndicat est une matière vivante, une matière humaine, et donc les hommes y font beaucoup. Et j'ai entretenu personnellement des relations très étroites avec chacun des responsables de toutes ces autres organisations. Des rapports d'ailleurs qui se sont presque traduits, je dirais, en amitié après coup, quelles que soient les étiquettes que les uns et les autres ont portées, parce que nous avons traversé une épreuve difficile, mais en même temps que nous avons su faire face, et encore une fois que la sincérité de nos relations prédominait et que nous pouvions nous dire toute la vérité, quels que soient les aléas qui pouvaient exister entre nos différentes organisations. Et ça a aussi pesé sur le fil des événements, dans la mesure où, effectivement, en 1995, nous avions cette caractéristique d'avoir un front unitaire cheminot total. Durant tout le conflit, même si sur la fin, certaines organisations, je pense aux conducteurs autonomes, par exemple, qui avaient appelé à la reprise du travail, ça n'a eu aucun impact. Il y avait un tel esprit d'unité chez les cheminots que le message d'une seule organisation ne pouvait pas fragiliser cette unité acquise au fil des semaines. Mais pour l'essentiel, le mouvement s'est déroulé dans une unité presque parfaite au niveau de la profession, alors qu'au plan interprofessionnel, au plan des confédérations, notamment à l'égard du plan Juppé, il y avait un désaccord, il y avait deux lignes en quelque sorte. D'une part, la CGT et Force ouvrière qui contestaient ce plan Juppé, et la Confédération, à l'époque dirigée par Madame Nota, qui était favorable à ces dispositions. Et donc l'unité syndicale cheminote a résisté à ce désaccord au niveau des confédérations. Les cheminots, d'ailleurs, ne comprenant pas ce qui était de sensibilité CFDT, la prise de position de leur confédération, après coup, après le conflit, ça a d'ailleurs donné des tensions importantes au sein de la Confédération CFDT, voire même provoquer des départs et la création parfois de nouvelles organisations intitulées solidaires. Nous ne donnons pas de chèque en blanc au gouvernement. Aujourd'hui, il a pris une bonne direction. Il faut qu'il maintienne le cap, il faut qu'il le garde. Comptons et comptez sur la CFDT pour l'y pousser. Ces cheminots de la CFDT étaient en opposition et voire en rupture pendant le mouvement, en étant en grève, en étant dans les manifestations. Et après le mouvement social, eh bien, la question s'est posée pour eux, je dis pour eux parce que c'est majoritairement des hommes dans ce milieu-là, de savoir ce qu'ils faisaient syndicalement, est-ce qu'ils restaient à la CFDT alors que d'une certaine façon ils étaient désavoués par la direction confédérale, est-ce qu'ils allaient rejoindre une organisation déjà existante ou est-ce qu'ils créaient une nouvelle organisation. Majoritairement ceux qui ont décidé de quitter la CFDT à ce moment-là ont fait le choix de créer la Fédération Sudrail. Alors, il faut se rappeler que le premier syndicat, c'était Sud PTT en 1989, c'est-à-dire 6 ans avant. Et en fait, en créant Sudrail, ils vont enclencher une dynamique, limitée, mais quand même une dynamique de création de syndicats Sud dans d'autres secteurs. Donc, une certaine dynamique autour de la création de nouveaux syndicats liés au mouvement social de 95. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire que l'Union syndicale, qu'on appelait le groupe des 10 à l'époque, qui à ce moment-là était en gestation de façon assez informelle, va décider de se structurer et aboutira à la création juridique et politique de l'Union syndicale solidaire en 1998. 95 et les suites, si ça a été un élément déterminant dans la création de solidaire, c'est parce qu'il y a eu le test du mouvement social de décembre 1995 où les syndicats, qu'ils soient comme Sud PTT ou Sud Santé Sociaux, qui venaient de la CFDT sur une logique de lutte, et des syndicats qui venaient de l'autonomie suite à la scission de 1947-48 dans le mouvement syndical français, notamment avec le syndicat des impôts, qui est un syndicat très majoritaire dans son milieu, hein, et ben finalement ont été ensemble dans le mouvement social de 1995. Mais il faut aussi avoir en tête que 2 ans avant le mouvement social de l'hiver 95, en 1993, eh bien, il y avait déjà eu un mouvement important dans le syndicalisme français, puisque la FEN, qui était la grosse fédération de l'éducation nationale historique, hein, avait éclaté en deux pour donner d'un côté la naissance à la FSU et de l'autre côté la naissance à l'UNSA. Donc on est dans ces années-là, effectivement, dans une période de bouger important dans le mouvement syndical français. L'UNSA, c'est quand même
essentiellement des syndicats venant de la FEN, notamment syndicats du premier degré de la FEN, et quelques syndicats, alors un tout petit peu de FO, mais certains syndicats aussi du groupe des 10. C'est-à-dire que des syndicats qui étaient avec nous dans le groupe des 10, en 93, je pense par exemple à la FGSOA, qui était la Fédération Générale des Organismes Agricoles, décide d'aller à l'UNSA, considérant que l'UNSA était un syndicalisme, disons, moins radical que les syndicats présents dans le groupe des 10. Donc on voit bien que 93, 96 et les années suivantes, il y a un bouger important du mouvement syndical. Peut-être ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au lendemain du mouvement social de 95, il y a eu tout un débat, alors je pense à la CGT et plus globalement, sur finalement, est-ce qu'il y avait deux grandes stratégies dans le mouvement syndical ? Moi, je pense que oui, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, entre un syndicalisme, ce que j'appelle moi d'accompagnement autour de la CFDT et de la direction de la CFDT, qu'on a clairement vu en 95, puisque la direction de la CFDT avec Nicole Nota s'oppose en fait au mouvement social, et un syndicalisme alors incarné par la CGT, en partie par FO, par la FSU, par les syndicats du groupe des 10, donc les syndicats sud, mais aussi les autres syndicats du groupe des 10, qui sont dans la mobilisation sociale. Donc pour moi, 95 montre qu'il y a bien, pour aller vite, deux camps, peut-être pas irréconciliables, mais quand même qui ont deux conceptions assez antagoniques du syndicalisme. D'un côté, un syndicalisme, oui, d'accompagnement, etc. Et de l'autre côté, un syndicaliste qui veut s'appuyer sur les luttes, sur la mobilisation sociale. Et ça, ça va être un débat, notamment avec la CGT, qui, elle, va plutôt mettre en avant, à partir de 96, l'idée du syndicalisme rassemblé, donc avec une vision de rassembler l'ensemble du syndicalisme. Alors, moi, je suis évidemment, dans ma pratique syndicale, j'ai toujours été pour favoriser l'unité et le faire le plus possible. Mais pour autant, ça ne veut pas dire gommer les débats de fond qu'il y a dans le syndicalisme sur les stratégies des uns et des autres. Femmes et hommes mêlés pour défendre les droits des femmes. Le droit à l'avortement, le droit à l'égalité des chances et des salaires, le droit à la parité. Ils étaient des dizaines de milliers cet après-midi de la Bastille à Richelieu-Drouot. En tête, les représentantes des 140 organisations qui ont appelé à la manifestation. Et parmi elles, Gisèle Halimi qui lutte depuis 30 ans. La loi Veil est née sous le signe de la précarité, de l'absence des moyens. Donc la situation n'a fait que se dégrader. Et aujourd'hui, on est passé de la précarité à, en fait, sinon en droit, la remise en cause. 95 aussi, ça a été une manifestation féministe, une manifestation de 40 000 personnes juste à la veille du déclenchement de novembre-décembre 95, contre le retour à l'ordre moral, contre les mises en cause du droit à l'avortement, etc. Donc il y a eu cette manifestation absolument historique à l'époque, et dans la lutte après de novembre-décembre 95, il y a eu une implication des femmes non seulement dans les manifs, mais aussi dans ce qui commençait à se structurer en termes d'auto-organisation et d'organisation de comités locaux à Rouen, qui au lieu de l'auto-organisation en 95, ça a été un moment très fort où du coup l'ensemble des salariés de tous les grévistes en fait se réunissaient à la fosse qui est voilà, un dépôt de train à Quatre-Mars. Il y avait plus de il pouvait y avoir plus de 1000 personnes en AG avec notamment par exemple des institutrices qui s'étaient organisées en amont et avaient envoyé des délégués dans ce lieu-là qui était vraiment le début, il y avait déjà eu des éléments auparavant dans les années 80 de coordination, etc., mais qui était la poursuite de cette dynamique d'auto-organisation, c'est-à-dire la lutte est aux grévistes, à nous de décider de la poursuite du mouvement, et quelles sont les étapes de la poursuite du mouvement, quels sont les enjeux, quelles sont les revendications. Et donc en réalité, il y avait d'ores et déjà des femmes, et pas seulement dans la manifestation du 25 novembre. Et après, ça s'est poursuivi. Le gouvernement doit donner des réponses à des problèmes compliqués qui sont autant politiques qu'économiques. Exemple, l'hôpital. On sait que certains ne tournent pas à plat régime, mais l'hôpital, on l'a vu, c'est souvent le premier employeur local et puis ça rassure les gens. Alors plutôt que de supprimer des lits, eh bien on va plafonner les dépenses à 2%. Ce soir encore, nous allons aborder un certain nombre de points d'interrogation quant au fonctionnement de la sécurité sociale dans notre pays. À commencer par le problème des hôpitaux dans les villes moyennes. Leur rentabilité n'est pas toujours évidente, mais en même temps, ils sont un élément de la vie locale et une source d'emploi. Et les habitants, en outre,
ils sont souvent sentimentalement attachés. Le Premier ministre a bien précisé d'ailleurs cet après-midi que les performances des services des hôpitaux, qu'ils soient grands ou petits, seraient évaluées et que les moins performants pourront être supprimés. Pour les élus locaux, la présence d'un hôpital ou d'une clinique dans leur ville est aussi considérée comme un élément de lutte contre la désertification des campagnes. Prenons maintenant l'exemple d'une ville, Vaison-la-Romaine, environ 8000 habitants dans la Drôme, qui a fermé sa maternité depuis 4 ans maintenant. Elle a pour nom Caroline et il y a 20 mois, elle devait naître à la maternité de Vaison-la-Romaine. Les restrictions budgétaires en ont décidé autrement. Sa mère n'a jamais eu le temps d'atteindre la maternité d'Orange, située 50 km plus loin. Du coup, Caroline est née dans une ambulance. Avec seulement 200 naissances par an, la maternité de Vaison a dû fermer ses portes. Pas assez rentable, selon les experts. En 4 ans, il n'y a pas eu d'accident grave, constatent les responsables médicaux. En ces temps d'économie, cette maternité pouvait donc disparaître. La maternité de Vaison, c'était un lieu de vie rassurant pour les petits villages de l'arrière-pays. Mais l'heure n'est plus à la convivialité. La priorité aujourd'hui a pour nom rationalisation économique. Il faut, et ça devient un petit peu la norme de tous les gouvernements qui vont se succéder, surmonter les rigidités du marché du travail, comme le dit alors un commissaire au plan. Et donc, pour ce faire, pour abaisser le coût du travail, ce qui devrait permettre de mieux satisfaire à la politique de l'offre, devenue norme, en lieu et place de la politique de demande qui prévalait depuis 1945, donc une politique de l'offre devenue un credo, qui nécessite de déconstruire, d'alléger les prétendues charges, de réduire les déficits, en s'attaquant notamment à la protection sociale et aux services publics, dont le lien qu'ils peuvent entretenir. Il y a donc une même logique à l'œuvre dans ces deux mouvements. Bon, les camarades, on propose une petite prise de parole en attendant d'autres camarades, en particulier les hospitaliers. Ils ne sont pas partis encore. Hein. Ils ont bougé. Ils étaient derrière nous. Hein. On était du monde. Hein. Il n'y avait pas que des cheminots. Mais ça, c'est le catalyseur. Et ça, c'est l'échelle. Tu vois, le premier barreau de l'échelle, il est là, on l'a fait. Puis après, il faut qu'ils suivent derrière. Bien évidemment, nous aurions aimé, s'agissant du plan plus vaste d'attaque, de fragilisation de la sécurité sociale, parvenir avec d'autres à sa remise en cause. Mais on ne pouvait pas attendre des cheminots, et peut-être qu'en ce sens, certains ont trop délégué à certaines professions le soin d'emporter la victoire, alors que ce genre de victoire passe par une mobilisation beaucoup plus large, interprofessionnelle. Il y a eu des initiatives et les cheminots étaient heureusement pas les seuls mobilisés en 1995. Il y a eu la fonction publique, il y a eu la poste, il y a eu, y compris dans le privé, différents mouvements, mais force est de constater que ça n'a pas été suffisant, même avec plusieurs millions de personnes à plusieurs reprises en manifestation. Donc les cheminots étaient fiers d'avoir obtenu ce qu'ils ont obtenu, même si c'est principalement avoir empêché des mauvais coups et des mauvaises décisions, mais il y a parfois des victoires qui passent notamment par empêcher des mauvais coups. Ça fait une longue période, même plusieurs décennies, que l'idée de conquête de droits nouveaux, malheureusement, n'est plus d'actualité, ce qui renvoie sans doute à des réflexions beaucoup plus larges sur les capacités du mouvement syndical aujourd'hui à se faire entendre face à des coups de boutoir, des remises en cause et des attaques très importantes, qu'elles viennent du monde économique ou qu'elles viennent du monde politique. Nous ne pouvons plus supporter, nous tout seuls cheminots, le poids du retrait d'un plan Juppé, alors que d'autres, depuis une dizaine ou une quinzaine de jours, auraient dû nous rejoindre depuis longtemps dans l'action. Victoire, mais une victoire qui n'est pas complète, je ne sais pas si cette expression a un sens. On a parlé, s'agissant de ce mouvement, et s'agissant de la grève des cheminots et de l'ensemble des composantes de la fonction publique et du secteur des travailleurs de l'État, d'une grève par procuration. La notion de grève par procuration a été avancée au lendemain de la grève de 1995 par Henri Vaquin et Yvon Mainvielle. Et cette formule s'est depuis imposée dans l'appréciation de certains mouvements sociaux. Force a été de constater, on l'a constaté à chaud et on l'a constaté durablement, que cette grève n'a pour ainsi dire pas mobilisé le secteur privé, même si à l'intérieur des manifestations, on pouvait ici et là voir apparaître des éléments qui émanaient du secteur privé. Le secteur privé, on le retrouvait en fin de semaine dans les manifs qui avaient lieu, dans celles des manifestations qui avaient lieu le samedi.
il y a, il doit y avoir, il peut y avoir une grande solidarité entre les cheminots et les maires et tous les conseillers municipaux, parce que la défense de cet outil formidable qu'est la SNCF, ça ne regarde pas que les cheminots, ça regarde les élus, ça regarde les usagers et tous ceux qui ont responsabilité collective. Au final, un gouvernement qui est à la fois obligé de renoncer au contrat de plan et d'ouvrir un débat national sur l'avenir de la SNCF, et d'ailleurs, après coup de ce débat, découlera une nouvelle décentralisation dans la gestion de la SNCF. C'est comme ça que les régions administratives se sont vues confier de nouveaux pouvoirs dans l'organisation des transports de voyageurs. On le doit à cette grève de 1995. Et puis un renoncement total sur la remise en cause à la fois du régime de protection sociale des cheminots et de leurs dispositions particulières pour accéder à la retraite. Ce sujet reviendra, nous le savons, par la suite, mais en 1995, nous avons mis un coup d'arrêt à cette volonté déréglementatrice. Le bilan de 95, il est assez paradoxal et je me souviens très bien des discussions qu'on a eues à Sud-PTT et dans le groupe des 10 sur le bilan de ce mouvement. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les cheminots, à ce moment-là, arrivent à gagner sur l'abandon de la réforme des retraites pour les régimes spéciaux et notamment pour les cheminots. Sur la Sécu, malgré tout, c'est pas vraiment une victoire, parce que le plan va se dérouler après, même si les principes de la Sécu restent à ce moment-là et ne sont pas remis en cause. Mais par exemple, à La Poste et à France Télécom, on avait évidemment fait des cahiers revendicatifs avec toutes les revendications du moment à La Poste et à France Télécom, et en fait, on n'a rien gagné. Des bricoles, mais vraiment rien. Et paradoxalement, le sentiment des gens qui ont été dans la grève, enfin dans ce mouvement, et surtout les personnes les plus impliquées, c'est un sentiment. Enfin, personne ne regrette d'avoir fait cette grève. D'autant plus que les retraits de salaire sur les journées de grève vont quand même être relativement importants et que La Poste et France Télécom ne feront pas de cadeaux. Hein. C'est-à-dire que toutes les journées de grève vont être effectivement retirées, même si c'est étalé sur plusieurs mois. Bon. Et donc c'est assez paradoxal, comme quoi le sentiment de victoire sur un mouvement social n'est jamais lié qu'à la satisfaction des revendications. Il y a toujours d'autres choses qui se jouent, et à mon avis, ce qui se joue sur le sentiment de pas de victoire, mais d'être content d'avoir fait ce mouvement. En fait, quelque part, c'est ça, c'est d'être vraiment content d'avoir été dans ce moment et d'y avoir participé. C'est le côté rencontre interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'en 95, on renoue, à mon avis, avec le côté interprofessionnel. On va avoir plein de rendez-vous. Un des plus connus étant celui de la fosse SNCF de Sotteville-lès-Rouen dans la banlieue de Rouen. Mais il y en a eu plein dans toute la France où se retrouvaient des assemblées générales où venaient évidemment des cheminots, mais des salariés de la poste, des enseignants, mais aussi d'autres secteurs, quoi. Et avec un soutien très fort quand même de la population. Donc je pense que ce sentiment, en fait, de se retrouver ensemble face à quelque chose qui était vécu comme une attaque globale, bien sûr sur les retraites, bien sûr sur la Sécu, mais le sentiment que ce qui était en train de se jouer, ben, c'était l'avenir des services publics globalement et la place des services publics dans notre société, je veux dire, est très fort, quoi. Et donc le fait de s'être retrouvé ensemble pour consciemment ou inconsciemment, ou clairement ou moins clairement, porter ces enjeux de société, à mon avis, joue très fortement dans le bilan que les personnes font de leur participation à ce mouvement. Alors on souligne souvent le mouvement de 1995. Pourquoi ? Parce que les régimes spéciaux n'ont pas été entamés comme le souhaitait le plan Juppé. Mais dans le plan Juppé, il y avait aussi le fait que c'était désormais le Parlement qui allait voter la loi de financement de la sécurité sociale sur proposition du gouvernement. Et donc ça, c'est resté. Hein, c'est-à-dire que Juppé a cédé sur les régimes spéciaux, mais il n'a pas cédé là-dessus. Donc depuis 1996, en fait, très largement, les clés de financement sont définies par le gouvernement. Et donc les partenaires sociaux gèrent un système, mais dont ils ne détiennent pas les clés. Hein, c'est-à-dire ni les sources de financement, ni le niveau de prestation. En décembre, une loi est adoptée qui autorise le gouvernement à réformer la sécurité sociale par ordonnance, et on assiste également à la fin de l'année à une augmentation de la CSG. On a donc indéniablement, et par-delà ce recul contraint du fait du mouvement de 95, une stratégie qui se poursuit. Et
avec laquelle nous vivons encore à ce jour. 95 pour les cheminots, c'est une victoire en toute lucidité. Mais la reprise a été unanime, il a fallu juste quelques jours pour organiser la reprise du travail, mais ça s'est fait dans la grande majorité des cas, dans un esprit festif énormément partagé. La reprise du travail s'est faite en chantant en 1995 chez les cheminots. Il y a eu des fêtes pour fêter la victoire du mouvement de 95, et avec beaucoup d'adhésion au syndicat. Et ça, c'est un autre indicateur. Si on sort d'un conflit avec l'impression d'avoir été battu, d'avoir perdu, voire même que le syndicat n'ait pas fait ce qu'il aurait dû faire, peut-être, ça peut faire partie des appréciations, ça ne se traduit pas naturellement par des adhésions, mais plutôt par, si ce n'est des désertions, en tout cas des prises de distance. Là, non, il y a eu un phénomène d'adhésion massif, et d'ailleurs, la CGT, dans les élections professionnelles qui ont suivi, a gagné de nouveaux points et a accru son influence électorale dans la profession. Cette grève, elle a participé d'un tournant. Tournant dans la mesure où, comme d'autres mouvements contemporains à l'échelle planétaire, je pense à de grandes grèves de l'automobile aux États-Unis, je pense aux grèves des ouvriers coréens, est apparu comme une première remise en cause face à ce qui était apparu comme un consensus néolibéral face auquel on ne pouvait rien faire. Des hommes et des femmes se sont redressés. Et 95 apparaît d'abord comme une capacité de dire non et de mettre un coup d'arrêt à l'offensive libérale qui paraissait pouvoir se déployer sans aucun obstacle. Il est intéressant que ex post, elle a été tenue par des acteurs pour un des vecteurs de ce qui va s'affirmer pour l'altermondialisme, avec à cet égard, s'agissant de la France, le rôle essentiel de l'association ATTAC, qui se crée en 1998, c'est-à-dire encore une fois dans cette même conjoncture, redéfinie, transformée par le mouvement de 95, même s'il n'y a pas un lien direct de l'un à l'autre. On passe de la décennie des années 80, où c'est le libéralisme triomphant, compris en termes d'idéologie, enfin, de débats politiques, etc. Quelqu'un comme Bernard Tapie est quasiment un héros politique de cette période-là, bon, avec tout ce que ça veut dire symboliquement et tout. Et en fait, derrière ça, dans les années qui vont suivre, c'est effectivement la remise en cause de cette logique ultra-libérale. Enfin, il y a une conscience que c'est plus possible. C'est-à-dire que ça crée des inégalités, ça crée des précarités au sens très large, etc. Ça va déboucher à la fin du XXe siècle sur le mouvement altermondialiste. C'est-à-dire, en France, c'est la création du mouvement ATTAC, qui s'attaque au poids de la finance, parce que finalement, derrière cette dénonciation de ce qui est en train de se passer en termes de libéralisme, en termes de privatisation des services publics, en termes de remise en cause de la sécurité sociale, etc., c'est finalement donner plus de poids à la finance dans toutes les activités, bon, aussi bien dans les services publics que les enjeux de la sécurité sociale, etc. Bon, donc oui, bien sûr qu'il y a un lien important entre la séquence de 95, qui pour moi est d'une certaine façon un réveil d'une mobilisation sociale qui finalement pose des enjeux politiques de fond. C'est-à-dire que c'est pas seulement une mobilisation contre la réforme des retraites, des cheminots ou pour la sécurité sociale. 95, ça réouvre une séquence qui pour moi n'est pas terminée du tout. C'est une délégitimation finalement du libéralisme tel qu'il s'est construit dans la décennie 80, quoi, pour aller vite. C'est ça qui va être travaillé après dans les mouvements sociaux et plus globalement sur une prise de conscience dans la société. C'est aussi la période où il y a les mobilisations des 100 SANS, c'est-à-dire du mouvement de lutte contre le chômage, avec les marches contre le chômage, du droit au logement, la convergence des services publics. Elle va apparaître aussi à ce moment-là avec des manifestations dans les années 2000 pour la défense des services publics. Il y aura aussi un gros mouvement contre la privatisation de la poste. Les logiques de privatisation des services publics et les attaques, elles se sont faites secteur par secteur. C'est un des problèmes d'ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, les PTT ont été un des premiers chantiers, je mets plein de guillemets, de modernisation des services publics, avec ce vocabulaire-là, lancé par Michel Rocard en 89-90. Ça a été l'expérimentation, en fait, faite par un gouvernement socialiste de ce qu'ils appelaient, eux, modernisation, et ce qui était, évidemment, pour nous, clairement, une logique de privatisation rampante et qui va aboutir à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Bon, un des problèmes, c'est ça, c'est que les attaques, elles se sont pas faites frontalement avec un gouvernement qui aurait assumé, je sais pas, genre Margaret Thatcher. Ça a été tous des vocabulaires de modernisation, de transformation, d'adaptation, enfin tous ces mots-là. Tous les projets, ils sont arrivés les uns après les autres, soit frontalement,
soit de façon plus insidieuse, avec la logique aussi mise en avant par les gouvernements français successifs sur, de toute façon, Bruxelles nous impose l'ouverture à la concurrence, etc. Or, bon, tout ça, évidemment, renvoie à des choix politiques qu'on, certes, ont été faits au niveau de Bruxelles et les orientations de la Commission européenne, mais qui ont été faits d'abord par les gouvernements de chacun des pays et donc aussi les gouvernements français successifs. Et on a perdu, de fait, sur cette logique si on regarde où on en est aujourd'hui sur la dégradation absolue des services publics. Enfin, je veux dire, la santé, enfin, on est en plein Covid encore, l'éducation nationale, enfin bon, je parle même plus de La Poste et de France Télécom. Enfin, c'est vraiment des entreprises, une qui est encore publique, La Poste formellement, une qui est totalement privatisée, c'est France Télécom, enfin Orange, pour qui le mot service public n'a même plus aucun sens. On a perdu sur ces enjeux-là quand même globalement. Ça ne veut pas dire que c'est perdu définitivement. Je pense qu'il y a des secteurs, je pense notamment à la santé, même avant le Covid, où on a vu réapparaître des mobilisations extrêmement fortes ces dernières années, ou dans l'enseignement. C'est des enjeux qui peuvent revenir assez fortement dans le débat public, dans le débat politique, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, chez bon nombre de personnes, que ils sont dépossédés de tout, quoi. Et quand on regarde par exemple la lutte des gilets jaunes, on a analysé que c'était des endroits où les mobilisations des gilets jaunes ont été les plus fortes territorialement. C'est aussi des territoires où les services publics ont complètement disparu, c'est-à-dire qu'il y a le sentiment d'une relégation sociale extrêmement forte, relégation qui, entre autres, c'est pas la seule raison, mais passe notamment par le fait des endroits où les gens peuvent plus se déplacer s'ils n'ont pas de voiture, parce qu'il n'y a plus de train, des endroits où la poste a fermé, où les écoles sont toujours en sursis. La disparition des services publics va, pour moi, de pair avec ce qui se passe en termes de relégation sociale depuis 25 ans, que ça soit dans les cités, dans les quartiers populaires, dans les grandes villes ou autour des grandes villes, ou que ça soit dans les zones rurales. Donc, je pense que 95 ouvre vraiment une séquence qui est loin d'être terminée, et même si, évidemment, malheureusement, on n'a pas gagné. Et je pense que ce qui va se passer aussi sur le TCE, le traité constitutionnel européen en 2005, à mon avis, découle aussi un peu de toute cette période-là, c'est-à-dire cette mobilisation populaire sur les enjeux européens, où est-ce qu'il faut mettre d'abord la concurrence libre et non faussée, comme c'était un peu le credo proposé à ce moment-là, ou bien est-ce qu'il faut remettre les besoins fondamentaux des populations. Donc pour moi, 95 ouvre ça, quoi. Je crois qu'il faut quand même être attentif au fait que s'il est vrai que la mobilisation collective dans ses différentes formes n'a pas empêché le détricotage de l'État social et donc la mise en œuvre de réformes qui affectent profondément ce qui a été nos formes de protection sociale et la question des retraites, puisque c'est ça qui est au cœur du propos, elles ont ralenti. Près de 30 ans, c'est une génération, ça n'est pas tout à fait rien à l'échelle du vécu des uns et des autres. Et de surcroît, se souvenir qu'une manifestation, enfin les effets produits par une manifestation ne sont pas nécessairement des effets dans le temps court. On n'a pas la même capacité que pour la grève de dire d'une manifestation qu'elle échoue, qu'elle l'emporte. Ce qui est visuel, c'est la manif. Mais ceux des mouvements sociaux qui l'ont emporté, 36-68, c'est ceux où il y a une grève qui est générale. La manif, elle participe de la montée en puissance, de la visibilité, de tas de choses. Mais ce qui compte, c'est la grève, parce qu'à un moment donné, le patronat dit au gouvernement successif, que ce soit 36-68, bon, maintenant ça suffit, il faut négocier. On a changé le statut de l'entreprise, enfin, les gouvernements ont changé le statut de l'entreprise, ont introduit le principe de la mise en concurrence des opérateurs ferroviaires. Et à ce titre, je rappellerai que la mise en concurrence qui existe déjà entre les opérateurs pour le transport de marchandises avait été présentée à l'époque, il y a quelques années, comme le moyen de développer le transport de marchandises par le train. Depuis 1995, s'agissant de la consistance du réseau ferroviaire, mais aussi de l'organisation d'entreprise publique, la SNCF, les choses ont considérablement évolué depuis, et pas dans le bon sens, malheureusement, plutôt dans une dégradation qui s'est
accélérée. Emmanuel Macron, lorsque étant venu à bout pour cette fois-ci du statut des cheminots lors de la longue et originale grève menée à l'encontre, il a cru qu'une autoroute s'ouvrait dans lui et qu'il pouvait enfin, cette fois-ci, s'engager dans l'acte final de la mise en œuvre d'une réforme des retraites conforme aux objectifs libéraux. On a un président de la République, Emmanuel Macron, qui dit « J'ai été élu sur un programme ». C'est une manière de réinterpréter, de mon point de vue, un peu les enseignements à tirer de l'élection présidentielle, puisque seuls 24% des électeurs, à peu près, ont soutenu au premier tour des élections présidentielles le programme présenté par Emmanuel Macron. Il oublie l'effet deuxième tour, à savoir qu'un président de la République, depuis plusieurs élections maintenant, est souvent élu pour empêcher son adversaire d'être lui élu, donc plus par rejet du deuxième candidat plutôt que par adhésion massive à son propre programme. Mais une fois élu, naturellement, il a tendance à mettre en avant son programme pour lequel les Français lui auraient accordé une majorité. Et là, on a un président de la République en première ligne. 1995, on a dans nos institutions une répartition des tâches, dans la pratique, un peu différente entre le président de la République et le Premier ministre. Le plan sur la sécurité sociale, on l'appelle le plan Juppé. C'est d'ailleurs le Premier ministre qui vient le présenter à l'Assemblée nationale. Ce qui fait d'ailleurs qu'au fur et à mesure où le conflit s'installe, c'est le président de la République qui s'inquiète de la tournure des événements. Naturellement, Alain Juppé n'a pas présenté son plan de réforme de la sécurité sociale sans avoir le feu vert du président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui le présente. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du conflit, le président de la République, a priori pas impliqué totalement dans le plan de la sécurité sociale, est en posture de dire à un moment donné, il faut arrêter les dégâts, il faut arrêter ce conflit. C'est en train de prendre des proportions beaucoup trop importante. Et c'est Jacques Chirac qui donne la consigne à Alain Juppé de négocier du côté des cheminots pour essayer d'arrêter ce mouvement dont on ne mesure pas l'ampleur et jusqu'où il peut aller. 2019, on a un président de la République qui assume totalement le projet qui fait objet de polémique, le changement de système de retraite, et l'autre différence, c'est qu'on est là sur un changement justement du système de retraite qui prévaut depuis la Deuxième Guerre mondiale en France, c'est pas rien. Un système de retraite, ça constitue un des piliers du pacte social, du contrat social dans un pays, quel que soit le système en vigueur. Certains par répartition, d'autres par capitalisation, la manière d'acquérir les droits, la manière, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs conflits et plusieurs réformes qui ont pour l'essentiel consisté à modifier la manière dont on acquiert les droits pour la retraite. Là, il s'agit d'une toute autre ampleur, on change le système de retraite. Sans que les Français n'aient été véritablement consultés sur le bien fondé de ce changement. Alors on s'appuie sur des insuffisances du système actuel. S'il y a des insuffisances au système actuel, les syndicats sont les premiers à vouloir négocier d'autres dispositions permettant d'avoir de meilleures retraites, des retraites plus complètes. Si on prend par exemple les retraites des femmes, il est un fait que le parcours professionnel des femmes fait de précarité, d'inégalité de traitement dans les salaires. On a 24% de rémunération en moyenne de différence entre une femme et un homme exerçant les responsabilités comparables. Ben ça joue sur le montant de la retraite. Donc discutons de cette correction plutôt que de revendiquer un changement de système. En même temps, il y a des points de similitude, à savoir qu'on a un pouvoir politique qui revendique de savoir ce qui est bon pour les Français, quoi qu'ils en pensent. Fort de la légitimité politique, un pouvoir consistant à dire « moi j'ai identifié la bonne réforme à mettre en œuvre, j'ai décidé de la mettre en œuvre, quoi que vous en disiez ». C'est comme ça que, pendant des mois, Emmanuel Macron a tenu fermement sur la perspective de sa réforme. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure où les citoyens, qui ne sont pas tous des spécialistes de la retraite, des mécanismes par lesquels on acquiert ses droits, se sont renseignés, et puis les syndicats ont fait aussi leur rôle d'information, de sensibilisation, d'alerte auprès de la population,
pour dire attention, voilà ce que ça veut dire. Changer de système, si c'est pour nous rapprocher de tel ou tel pays, en l'occurrence pourquoi pas la Suède, qui est souvent citée en exemple, sachez qu'en Suède, les retraites ont parfois diminué de 7% après la crise financière de 2008, parce qu'on est dans un autre type de système des droits à la retraite, justement, celui qu'on veut nous importer. Il n'a pas fait la preuve de son efficacité ou de sa plus grande efficacité par rapport à notre propre système. Donc tout ça a fait que les Français, les salariés singulièrement, bien évidemment, au fur et à mesure qu'ils ont pu accéder à de l'information et qu'ils ont aussi entendu des représentants du gouvernement pas très francs sur ce qu'ils avaient l'intention de faire. La valeur du point, la manière dont on conservait les droits déjà acquis pour ceux qui avaient commencé déjà à travailler très tôt, la manière de traiter justement les retraites des femmes, par exemple, à partir de quand ce nouveau système allait être mis en œuvre, les jeunes allaient-ils être concernés, à partir de quelle année, enfin bref. Un grand flou entretenu a fait que très majoritairement, les Français ont dit non, ça n'est pas une bonne réforme. Et le gouvernement maintenant son projet, ça a suscité les mobilisations que l'on sait, qui se sont répétées, malgré une désunion syndicale, il faut le dire. Tous les syndicats n'ont pas apporté le même diagnostic sur ce projet de réforme. On a une CFDT qui l'a plutôt soutenu. Alors après, du bout des lèvres, parce que c'était une position consistant à dire nous, on est favorable au système de retraite à points, mais pas dans les modalités que le gouvernement veut mettre en œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un accord franc et massif à cette réforme. Donc tout ça a fait que l'opinion publique a de plus en plus rejeté le bien fondé de cette réforme. Et puis après, un autre événement est intervenu, c'est la pandémie qui là a mis entre parenthèses plusieurs réformes qui étaient à l'ordre du jour du gouvernement. Et maintenant, à l'heure où nous parlons, la question se pose de savoir si le président de la République a l'intention de revenir à la charge sur ce projet ou si le virus, en quelque sorte, aura eu la peau de cette réforme. Nous allons voir dans les prochaines semaines.